Vous est présenté par Tadao. Les jours de match, allez au stade avec les bulles ou les navettes. C'est compris avec votre place. Plus d'infos sur tadao.fr Bonsoir les amis, bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue, bienvenue dans l'univers Lance Foot saison 4, l'émission numéro 1 sur le Racing Club de Lance. Vous le savez, ici c'est zéro langue de bois, tout ce qui devra être dit sera dit. Et bonjour à toi, je ne t'oublie pas, bonjour à toi qui nous regarde en replay, c'est-à-dire le lendemain. Voilà et euh, nous écoute également en podcast audio euh, sur toutes les, les plateformes Spotify, euh, Apple et, euh, et tout, tout le team. On va accueillir la Dream Team du, du soir, les amis. C'est parti. Euh, la Dream Team où est-elle Allez là, on commence. Tiens, c'est parti avec M. Stéphane Powels Bonjour Monsieur Powels, Comment ça va Quand bah, mieux serait insupportable. <laughs> on -à -dire a Franck on bien. Kedru. C'est-à-dire que Lens et Lille vont bien, donc tout va bien. On a Monsieur Franck Kedru. Comment Bonjour Francky. Ça va ça va et toi Ça va, ça va bien. Et on a Monsieur Sylvain Charlet. Salut Sylvain Salut à tous Et Monsieur Rami Buzine de Brut, salut oh, Rami Il est, est porteur Salut en Cyril Salut à tous Ça y est il est là, et il a même son casque, qu'est-ce qui... Ouais. Qu qu ah non, ah non c'est pas, le... pas le... Non c'est pas le rédac ah ok, d'accord, je vois, je vois. Bon, euh, merci euh, d'avoir choisi l'ensoute, les amis, pour démarrer votre soirée. Euh, nous sommes euh, le lundi. Euh, 28 août, il est 20h05, c'est donc parti pour votre rendez-vous hebdomadaire, 100% l'ensoute, avec euh, une actualité très, très chaude. Euh, le menu, tiens, on va tout de suite regarder le, le menu de ce soir. Le voici, le voilou. Euh, bien évidemment, le débrief de ce PSG, euh, l'an. Y a-t-il un pilote dans l'équipe ouais, On va se poser ouais, la question. Victoire impérative à Monaco. Euh, Est-ce que l'on peut se permettre de perdre encore des points sans se fourrer dans un début de crise On se posera la question. Les consultants viendront euh, donner leur réponse. Et puis euh, le mercato en soit, On fera un point complet sur les cinq dernières infos euh, à cinq jours de la fin du, du mercato. Et puis euh, dans l'émission, le café crème, bien évidemment. Euh, le café crème avec euh, avec euh, le tacle par derrière et on aura deux tacles par derrière ce soir je vous le dis deux tacles par derrière euh, celui de de Franck Quedru et celui de Stéphane Powels mais avant eh bien nous allons démarrer avec le j'ai aimé j'ai pas aimé c'est parti Alors j'ai aimé, j'ai pas aimé. On y va, on va y aller avec Batien rémi Buzine puisque tu es, euh, es à l'écran, c'est parti. Euh, qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que t'as pas aimé sur, euh, sur cette défaite face au PSG 3 hein bah, Ce que j'ai aimé, c'est ce ai on va dire la première mi-temps. Euh, hormis les premières minutes où Paris était bien dedans, je trouve que là a plutôt fait euh, bonne figure euh, dans le temps que ce soit physiquement, euh, tactiquement et tout. Ce que j'ai moins aimé, c'est justement dans l'avant-dernière la, dans passe et dans la dernière passe. C'est-à-dire que même en dominant dans le jeu, ben, on ne se procure pas d'occasion parce que c'est même pas la finition, c'est même avant. C'est-à-dire qu'on n'arrive même pas à, à trouver quelqu'un dans la surface de réparation. Donc, euh, donc compliqué, puis les entrants aussi, décevant. Oh là là Ouh Oh T'as géré, hein oh, hey, as Le géré. timing <laughs> On a entendu ouais, bon. la fin, la fin du petit jingle. Il a terminé sur le... Magnifique, je pense que bah, tu n'as jamais oh, non, fait une personne. Non, 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 bah, J'ai répété G... toute la journée. Attends, il a fait un j'ai aimé de 29 secondes et un j'ai pas aimé d'une seconde parce qu'il a senti la musique venir, il s'est arrêté. Non, le... non, j'ai tout dit, j'ai même dit deux trucs que j'ai pas aimé Non, bravo, bravo, bravo. Bah eh, hey, sois pas jaloux, euh, s'il te plaît, mon euh... sylvain. Coups, quand même, mais parce les faits. Bon, non mais <laughs> l'effet, faits, faits, rien que les fait, hein. Voilà. Alors, et eh bien justement, tiens, le parleur, Sylvain Charlet, c'est parti. J'ai aimé, j'ai pas aimé. Et vous qui nous regardez, vous nous dites ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas aimé sur, sur cette défaite face au PSG. On en reparlera, on ira faire un tour euh, avec Amaury hein, qui, qui réalise l'émission et qu'on salue au passage. On verra tous vos commentaires sur euh, Facebook, YouTube et euh, Twitch. J'ai aimé, j'ai pas aimé, Sylvain Charlet. Euh, j'ai aimé l'entrée d'Eli même si c'était 1-0, il a changé quelque chose, notamment dans la profondeur. Il s'est d'ailleurs créé des occasions. Donc euh, j'ai vraiment aimé cette entrée parce qu'elle est encourageante, c'est bon pour la suite. Et je n'ai pas aimé encore une fois l'absence de réaction quand ça allait mal, comme à Brest, quand Paris a ouvert le score. Ça a été vraiment très très compliqué pour les Lensois qui ont disparu mentalement parlant. Donc je n'ai pas aimé ce comportement physiologique. Euh, Mental. Psychologique. Mental. Ouais, psychologique, mental. voilà, je cherchais. Voilà, bah là, mais si t'as besoin d'un coup de main, tu m'appelles. On est une équipe. Effectivement. Euh, j'ai aimé, j'ai pas aimé. Euh, monsieur Stéphane Powell, c'est parti. On y va. Ah. Moi, j'ai aimé euh, une équipe qui proposait quelque chose, contrairement à, à Lorient, qui est allé faire le bus euh, complètement... Euh, au PSG, et là j'ai vu une équipe ben, qui a essayé de, ben, de gagner le match, hein, il faut dire les choses, en tout cas durant 45 minutes. J'ai pas aimé euh, pourquoi Hawaii était sur le banc, j'en parlerai tout à l'heure, mais pourquoi il a pas commencé. Alors, je sais bien qu'on doit le ménager et compagnie, mais si tu veux gagner un match, mettre Sotoka en pointe, moi je suis pas si sûr que c'était la meilleure arme, je vais pas je suis pas entraîneur, donc j'ai pas aimé la gestion euh, de Hawaii je me trompe peut-être, mais j'ai pas aimé. Bravo, bravo dans le timing, oh, non, et d'ailleurs ça se sera... Non une non énorme. non à ah, une, eh, une Après, microseconde. la, gest la gestion c'est compliqué apparemment sortez moi il a pas fait une bonne prépa avec Montpellier donc ouais. on, en, on on y reviendra tout à l'heure pour l'instant tiens Franck je vois qu'il a envie de parler et eh ben on va lui laisser non, la mais parole pas, ça va aller vite moi ah bah attention ah, ne ah, sois ah, pas trop rapide parce que tu sais c'est ce que dit très souvent ta femme alors s'il te plaît c'est j'ai <laughs> ce <laughs> ai ai aimé j'ai pas aimé bah, j'ai pas aimé ton commentaire <laughs> non, non, ça, plus sérieusement, ça, ça va aller vite. Euh, moi j'ai aimé, moi euh, l'état d'esprit, même à 3-0 avec euh, dans les arrêts, de jeu, ils ont continué à pousser, à essayer de jouer. Et du coup j'ai aimé ça et j'ai aimé le but de euh, Guy Boggy, c'est bien pour la suite, ça, lui, ça ouvre son compteur. Et je ne l'ai pas aimé, euh, bah, je le dirai plus tard euh, dans mon coup de gueule. Ok. Ah, C'est <laughs> pour ça que une teasing, hein <laughs> Le jour où Charlie me fait un teasing comme ça, je me coupe les rougigoles. <laughs> magnifique, magnifique. Euh, tiens, on va aller faire un petit tour sur, euh, sur les commentaires euh, des supporters qui nous regardent ce soir. Vous êtes très nombreux déjà dès le début de l'émission. Ça fait plaisir. Merci de votre fidélité. Euh, Steven qui nous dit, euh, j'ai aimé les 40 premières minutes. j'ai pas aimé le, le but juste avant la mi-temps, euh, qui a fait mal, je pense. Euh, sur Facebook, toujours Adrien. J'ai aimé le, le but, lui, de, de Guy Lavogui. Il a oublié que j'ai pas aimé, Adrien. Euh, j'ai aimé de Grégory. Qu'est-ce que c'est J'ai aimé le pressing haut euh, en première mi-temps. Puis un dernier commentaire avant d'écouter euh, ceux, des, ceux des consultants. Euh, Jonathan, moi, j'ai aimé les 35 premières minutes. En fait, es tombé messieurs, sur un super pari. Messieurs, ouais, euh, je vais vous poser une question. Je vais la poser à Stéphane tout d'abord. Et puis on, on, on va en débattre tous ensemble juste après. Êtes-vous inquiet après cette défaite à Paris, je rappelle pour le moment au compteur, euh, zéro victoire, zéro clean sheet, sept buts encaissés et un seul point sur neuf possible. Stéphane, est-ce que toi, tu es inquiet euh, après cette défaite Non, je ne suis pas inquiet et je l'ai déjà signalé à mon ami Sylvain là. Dans son émission radio, et à un moment, il faut que les supporters de foot, que ce soit Lens et l'autre équipe du Nord, soient bien réalistes que l'année passée, c'était une équipe qui est deuxième et cinquième. Et c'était un exploit de ce qu'on a vu. Et donc, chaque année, tu ne peux pas renouveler les mêmes choses. Tu as Seko Fofana qui part, il y en a d'autres, mais lui, qui était quand même qui avait le leadership, et donc, il faut tout ça, ça se met en place. Tu as un attaquant au on en parlera tout à l'heure, on a vu, comme dit Sylvain, qui a apporté quelque chose. Moi, je ne suis pas inquiet, en tout cas, je ne suis pas inquiet après ce match contre Paris. Je trouve que j'ai vu des choses très intéressantes dans la manière de jouer. Donc, il faut arrêter aussi les supporters d'être dépressifs après trois matchs. Il y a une direction qui travaille, il y a un staff qui travaille. Il faut laisser du temps step by step. Mais moi, je suis inquiet. Vas-y, Sylvain. Bah, moi, je suis inquiet parce que euh, autant il y a des choses qui me rassurent dans le jeu. Mais autant, je le disais dans le J'ai aimé, j'ai pas aimé, en termes de leadership, voilà, on n'a pas remplacé ses Fofana, mais ça, se, ça ne se remplace pas comme ça, un tel joueur dans l'entrejeu. Et aujourd'hui, je suis inquiet au point de vue comptable, parce que tu as un boulet en fait au pied désormais, les trois points que tu devais prendre à Brest et que tu n'as pas pris. Là, tu te retrouves un point à trois matchs, tu vas jouer à Monaco, leader provisoire du championnat, qui m'a offert une démonstration offensive à Nantes, mais défensivement qui est friable, mais bon, ça reste une équipe. Euh, euh, qui enchaîne. Et donc, ça veut dire qu'à la trêve, tu peux te retrouver avec un seul point. m'a pris quatre trêve, matchs. Vas... Ouais, non, 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 mais non, non. écoute-moi. C'est-à-dire que tu vas ruminer tout ça pendant deux semaines. Et après tu reçois Metz juste avant ton entrée en lice en Ligue des Champions. Donc je pense que mentalement. Eh ben, tu bats Metz et après t'es parti. Ouais non mais d'accord mais ouais d'accord d'accord si tu bats Metz mais moi je ah ben donc toi t'es déjà me... dire... dans le non, mais truc ils ont perdu à Monaco oui, ils vont perdre mais oui. t'es et... un dépressif chronique hein, toi. <laughs> non toi mais... c'est pas possible Attends. J'envisage tout à fait que, que psychologiquement, les Lensois sont encore friables à Monaco. Et heureusement que ce pas tu sais, dans le staff, hein, parce que tous les joueurs, mais, ils se pendent. Hein. <laughs> tu, sais, tu sais à quoi ça tient Ça ne tient à pas grand-chose l'équilibre d'un groupe. Et quand le tu vois que mentalement, non mais mentalement, ils craquent à Brest à, à 2-1 et ils craquent après 1-0 à Paris. Ils sont incapables de se, re, de se relancer alors qu'ils ont fait de belles choses. C'est pour ça que je me dis... Et quoi, tu pensais qu'ils allaient gagner à Paris 0-3 Non, non, non. Moi, je, je m'attendais à 1-0 qu'ils soient capables de repartir sur les mêmes bases qu'au cours des 45 premières minutes et ça n'a jamais été le cas ah ben moi tu vois si moi je m'attendais de gagner à l'auto je, je, je pensais avoir mis les bons numéros à loto je pensais gagner <laughs> j'ai pas gagné <laughs> non, mais quelle à, merde à, à, à titre personne à moi, je suis de pas... <rire> <rire> Rémi. à, 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 à titre moi je, je suis pas inquiet alors c'est vrai que le match contre brest c'est un, un raté mais ce que j'ai vu contre Rennes, contre Paris globalement il y a quand même pas mal d'ingrédients qui sont là de la saison dernière il y a quand même des questions qui se posent par rapport euh, au banc et, et un autre point dont j'avais parlé au moment où on faisait un peu le bilan du Mercato, c'est vrai qu'Andy Diouf remplace très bien ses Fofana dans le jeu, joueur très prometteur, mais c'est vrai que tu as plus ce, ce leadership, ce, voilà. ce joueur un peu qui était un peu cette, cette locomotive. Tu avais un joueur qui était en mission l'année dernière et qui portait, je pense aussi psychologiquement, ces, ces joueurs-là. Et dans les moments un peu plus compliqués, c'est vrai que c'est un peu plus difficile. Donc… Il y a la vigilance sur la dernière semaine de mercato, mais bon, on en parlera euh, tout à l'heure. Mais euh, en soi, par rapport à l'effectif qui est présent et certaines promesses de jeu, moi, je pense que ça va finir par venir. Il faut, faut juste se dire que on a joué Rennes la semaine dernière, qui est une bonne équipe de, très bonne équipe de Ligue 1. Qu'à Paris, bah, c'est pas forcément là que tu vas chercher des points. On a perdu là-bas la l'année dernière euh, et on a perdu euh, aussi l'année d'avant. Donc, euh, donc voilà. Et, et, et franchement, moi, à titre personnel à Monaco, je pense que ça va être très compliqué aussi et qu'il faut. Mmh. Potentiellement se mettre en tête d'être à un point sur 12 je ne l'espère pas à la trêve, et c'est pas pour autant qu'il y aura un motif d'inquiétude extrême, qu'il faudra tout remettre en cause. Je sais qu'à Lens tout est passionnel et que euh, voilà, mais il faut euh, être rationnel aussi, ouais, se dire Rémi, que il y a des bases qui sont là et que ça va se faire, ça va le faire. ouais mais ça, ça joue à peu de ça Je sais pas ce qu'on pensera, Franck mais le mental, ça peut basculer. Après, tu peux te retrouver. Alors, vous allez me dire ouais, tu fais du foot fiction, je t'entends, Stéphane, mais un point sur 12 match et d'ailleurs tu reçois Metz, qui y aura rien à perdre. Ça veut dire que tu peux capoter ton Non mais tu rentres en Ligue des champions. Écoute non, Sylvain, oui, Sylvain c'est là Brest. que tu vas voir. T'étais plus Sylvain. fort que Brest, t étais plus Sylvain. fort que Brest. Sylvain, Sylvain écoute-moi, tu as un entraîneur qui est en place et un staff. Ils savent très bien la situation et ils savent très bien qu'à Paris, ça allait être compliqué, que as une machine. Et comme disait Franck, très justement, Paris a joué à un très haut niveau. Mais cette équipe-là, elle va battre Metz. Il faut arrêter de voir tout, tout en noir. Moi, j'ai une question pour Franck. Qui est un ancien, un grand ah, es, joueur Toi t'es que... l'animateur de l'émission maintenant Mais non mais non, il mais y, y a un truc Il <laughs> est... eh, y a un truc qui m'interpelle <laughs> C'est que dans les joueurs qui sont arrivés Franck, et Je prends l'exemple de Fujini même Et c'est ça qui m'inquiète un peu Si j'ai une crainte C'est que dans ces joueurs là Je vais pas parler du gardien qui est quand même très loin dans le jeu Et qui est un leader Mais t'as pas dans le jeu un mec que tu sens Qui à un moment va prendre l'arc et les flèches et, et, et il va booster tout le monde Ça ah, ça, ça m'inquiète mais... Alors Où le côté patron, non non non, mais... non non, non, hein, mais non tu te trompes no, 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 on va en reparler tout à l'heure. on euh, va manque reparler euh, si tout à t'avais lu le programme, euh, mon Stéphane no, <laughs> 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 tu sais tu sais si no, lu no, 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 mon no, 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 tu no, no, même no, 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 bordel organisé. Tiens, j'aimerais entendre fait. Franck. Euh, je t'ai pas entendu oui. mon Francky sur, euh, sur toi. Est-ce que tu est -ce que es inquiet euh, après cette défaite face à, à, à Paris Est-ce que tu es plutôt quand euh, Charlet ou quand euh, Powell se buzine euh... je... <laughs> Non, mais en fait, je suis en train de réfléchir en même temps sur, euh, euh, sur la. Euh, comment dire C'est ce que Ré Rémi a dit. On regarde les dernières années. Euh, quels sont les scores qu'on a fait à part à Bollard forcément l'année dernière parce qu'on a, on a gagné, mmh. on a fait qu'un nul et une défaite, mais tu regardes euh, les résultats qu'on a fait euh, contre Brest l'année dernière, on a fait quoi À l'extérieur tu, 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 euh, Là-bas, là -bas, tu fais quoi là-bas Un partout. Tu gagnes un à partout. domicile 3-2 et tu fais un partout là-bas. Voilà, tu fais un partout. Ah, tu n'as pas gagné un match à Brest depuis que tu es, rent... es revenu en Ligue 1. On est d'accord, donc il n'y a pas le feu, ça a toujours... Ouais. Par contre, moi je suis très confiant pour Monaco et MS. Parce que bah, Monaco, c'est une équipe qui nous sourit quand même pas mal, en général. Tu as gagné à Monaco, Et... tu as gagné à chaque fois à Monaco. Et donc, je pense que, justement, ça va être le match qui va peut-être lancer euh, la saison. Et encore, je dis lancer la saison, on a vu que dans le jeu, je ne suis pas inquiet, ils sont là, l'état d'esprit, je ne suis pas inquiet, parce qu'on l'a vu, ils sont arrachés même à 3-0 par les marqués ce but, euh, même anecdotique, mais bah qui est cool. au de euh, oui, voilà oui mais Franck à 3-0 c'est pas comme à 1-0 tu peux pas ah, oui mais t'en as beaucoup euh, t'en as euh, euh, beaucoup en qui poussent pas qui qui, euh, qui, euh, euh, bon, qui euh, pousse euh, pas ouais. pour aller marquer Et un but si bah, si si tu mais, peux en prendre non, ça non mais à 3-0 tu peux aussi dire que Paris a arrêté de jouer tu vois ce que je veux dire oh non 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 arrête un peu tes conneries non pourquoi pas non pourquoi pas parce que j'ai regardé le match bah moi aussi. Bah, bah, lui, bah lui non. Bah, lui non il, a pas, il a donc tu as bien vu que Paris lui s'est arrêté à la 60e que l'autre il est venu taclé euh, dans les pieds, je sais pas où avant le crochet. Euh, tu vois, c'est pas les mecs ils ont levé les bras, ils l'ont laissé passer pour pas faire faute pour pas prendre le carton. Il a essayé de tacler le mec avant qu'il marque donc euh, On va ils demander pas c'est un... juste que voilà, on on va demander à Amaury euh, de nous mettre à l'image quelques commentaires. Est-ce que les supporters euh, qui nous regardent là sont plutôt, euh, plutôt inquiets, donc en charlet ou pas euh, Freddy, notre équipe de lance doit rebondir face à Monaco et Brice Samba doit s'améliorer. Ouais, euh, ça c'est le Samba. Euh, ça Brice Samba le message doit s'améliorer. Les mecs ils <laughs> picolent ou quoi où, là, Freddy, euh, là. Euh, Freddy, je sais pas ce qui <laughs> t'arrive là, mais. Euh, C'était le pas je pense que non, non, mais je pense qu'il y a une petite faute de frappe là. Euh... <laughs> <laughs> d'autres, d'autres commentaires, Henri, euh, ou pas euh, On y va. Euh, tiens, euh, est-ce que vous avez vu charles? Charlie. Est-ce que vous avez vu la décla On l'a tous entendu et lu la déclat de Francaise. J'ai eu un discours positif parce que je pense que les joueurs ont tout donné avec nos moyens. On ne joue pas dans la même cour. On le sait. Il y avait trop d'écart entre les deux équipes. On est ensemble, on l'a été dans pas mal de matchs, dans des moments plus simples. Là, on est dans un moment compliqué. Euh, Rémi, euh, comment toi, tu... tu, tu euh, Cette phrase a pas mal été commentée sur, sur les réseaux sociaux euh, par, euh, par, par beaucoup de gens. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de, de cette déclaration euh, On ne joue pas dans la même cour. Bah, Au-delà de la déclaration, j'ai suivi, j'étais au match, donc j'ai suivi la déclaration, la conf de presse de Francaise. Et moi, ce que j'apprécie, en fait, c'est de réussir à, on va dire, calmer les choses. C'est-à-dire voilà, que oui, et ben, en tant que supporter du racing, et je pense que c'est valable dans beaucoup de clubs de foot, il y a une passion comme à Lens, on est très passionné, voilà. Quand il y a la défaite, on est euh, des joueurs de Ligue 2. Quand on gagne deux matchs d'affilée, on mérite d'être champion de France et d'être en, en quart de Ligue des Champions. Il y a quelque chose de plus rationnel, et c'est vrai que ce que dit Francaise est rationnel. Euh, je veux dire, euh, l'attaque la, du Paris Saint-Germain, c'était Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé. C'était le retour de Mbappé, qui en plus de ça jouait son premier match en tant que titulaire avec tout ce qu'il a connu cet été, donc il était extrêmement motivé. Et puis Paris, Sylvain, tu peux temps... arrêter de taper, on dirait une secrétaire. Puis... Merci. Ah pardon. <laughs> Merci bien. Vas-y Rémi. Et puis Paris a fait plutôt un bon mercato. Enfin, je veux dire, on a vu le match de Hurget. Euh, et glo globalement, voilà, Riquet apporte quelque chose pendant le jeu que Galtier, euh, bah, et fin, voilà. Amélie, tout ça. Ils non, ont mais, été non, mais, donc oui, il y a une réalité. Enfin, je veux dire, le Paris Saint-Germain est une équipe qui à la base est programmée pour aller chercher la Ligue des Champions. Là, c'est une équipe qui espère faire un parcours européen correct et en même temps. Euh, finir dans les 5-6 premiers de la Ligue 1. Donc, c'est pas du tout la même ce chose. C'est ce que je t'ai dit, moi. C'est top donc, cette année, ça serait très bien. Top donc, six. ce que dit Francaise, en soi, c'est factuel. Et il aurait même pu le dire aussi la saison dernière. Quand on est proche du titre, OK, il y a cette frustration de perdre 3 ans au parc. Mais en soi, on n'était pas du tout programmé pour être là. Thomas qui nous dit, tiens, euh, Sylvain, euh, Thomas nous dit sur ouais. Facebook peut-être que S devrait se remettre un peu en question et préparer d'autres schémas tactiques. Je trouve que c'est un peu dur, mais euh, sur la deuxième partie de, de l'affirmation de Thomas, en effet, il y a des, il y a des choses d'ailleurs que Francaise a confirmé en disant que bah, je suis peut-être un peu fautif, et il faut peut-être que je travaille certaines choses pour, pour surprendre un peu plus l'adversaire. C'est pas comme ça qu'il l'a dit, mais c'est comme ça qu'on peut le comprendre. Euh, donc euh, moi là, je pense qu'il y, y, y a quand même un, un, un domaine où il va falloir vraiment bosser, c'est le, le retrouver une, une vraie animation défensive. Euh, parce que, ok, tu peux te créer des occasions et l'arrivée d'Ouaye offensivement, ça va vraiment changer la donne. Mais derrière, tu as pris 7 buts en 3 matchs. 7 buts en 3 matchs. Il faut, il faut retrouver cette solidité. Donc, je pense que là, le, le staff va aussi beaucoup travailler là-dessus dans, dans les prochains jours pour retrouver cette sérénité. Parce que euh, à Brest, tu prends 3 buts, tu peux en prendre 5. Euh, à Rennes, tu peux en mettre 4, mais Rennes peut en mettre 4. Et bon, bon après, Paris Saint-Germain, c'est le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, c'est le Paris Saint-Germain, mais, euh, mais voilà. Non, mais tout, moi, ça des... vient, tout ça vient, ça vient d'un collectif. Tu, tu attaques ensemble, tu, tu, tu défends ensemble. Mmh. Et là, on a bien vu que dans le milieu, de ben, temps en temps, comme Cécot des Fefana n'est pas là, ben, il faut tant faut temps que ça prenne. Puis derrière ouais, et à la, ben, la mi-temps, prends... tu perds Samet et Frankowski. C'est pas rien, ce n'est ben pas donc rien. Ça donc ça fait beaucoup. Donc c'est pour ah ouais. ça que je vous trouve, je te trouve sévère Sylvain. Je trouve, pense qu'il faut non, être intelligent, pas... faut faire le mais calcul suis... non, après mais... Messe. Après les droit... non, mais, non mais je ne suis, suis pas sévère, j'ai le droit d'envisager, j'ai quand même le droit d'envisager que il ne gagne tu pas Monaco. Non mais je vais non mais je vais pas très loin quand je dis ça. Et puis après de te dire mais Franck a été footballeur professionnel. Derrière c'est la trêve, tu as 10 jours pour Gamberger et tu te retrouves dos au mur à la maison face à face à mais non mais même non, mais si mais Sylvain. un super Non mais même si tu as un Sylvain. superbe fond de jeu, même Calme si tu as prouvé toi. de belles choses, tu peux tu peux tu Sylvain. peux être envahi par le doute. Calme-toi, prends un apranax, ça va te faire du bien. <laughs> J'ai eu la chance d'être dans un vestiaire quelques années, juste pour t'expliquer. Si tu penses que les mecs après quatre matchs-là, imagine comme dit Franck qu'ils vont gagner à Monaco, vont être dans une trêve où ils vont gamberger tous les jours. Tu gamberges après 15 matchs, hein, pas après 3. Ouais, euh, non, non, ouais, peut, ce groupe-là. Hein, ça peut aller écoute -moi, vite. Écoute-moi, hein. ce groupe-là vit bien. Il vit bien, en sachant que tu es un peu moins bon que le ballon, ça tourne pas, Hawaii va te faire du bien dans la profondeur, Sotoka va retrouver sa place. Je ne suis pas sûr, comme toi, de penser que maintenant, il se lève tous les matins en disant, putain, on est dans la merde. Mais non, mais je n'ai pas, pas, pas dit ça. Je, je, je suis, je suis, je suis, je suis convaincu d'un truc, c'est qu'ils ont des certitudes sur le jeu, et ils vont s'en sortir avec le jeu et avec la porte de Hawaii. Mais je dis simplement, le doute peut s'insérer dans les esprits ça existe il peut mais on n'est pas là voilà on pas là maintenant. mais ça peut pas là. non mais j'ai pas dit voilà j'ai pas dit ça, voilà. pas ça dit peut s'installer ça peut s'installer effectivement c'est pas dit va. bah, va tu, tu vas gagner à Monaco tu t'en même plus le même Mais discours. oui bien sûr non mais non mais bien sûr non mais, mais ça c'est sûr. Sûr. sûr non mais ça c'est sûr je, je suis d'accord stéphane oui. tu tu vas mettre deux trois buts à Monaco tu en reviens euh, plus personne la faute qui parle ah ben là, 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 les mais... bouches, elles sont fermées, c'est sûr. Non, mais sinon, là, vous êtes des bénis oui-oui en fait, tout va bien. Mais il faut, mais on il faut envisager que ça peut ne pas passer. Il faut envisager Sylvain que Charley... ça peut bugger. Sylvain Charlet, mon cher ami, on n'est pas des bénis oui-oui. On n'est ça... simplement pas des dépressifs chroniques. Ça veut dire que tu ne, fais pas, <laughs> tu ne fais pas des analyses après trois matchs, comme ça catégorique, en sachant que tu as eu de la casse, tu as eu des départs de leader, et tu as un attaquant qui n'a pas encore joué un match complet, et qui est ton attaquant star, qui s'appelle Wai.

tu es occupé de déstabiliser tout le club de Lens et les chroniqueurs de cette émission, Sylvain Chaney. Tiens, euh, on va regarder les, les stats de, de ce match. Euh, donc, PSG 66%, de possession 34% pour, pour le RC Lens. Euh, on regarde, voilà, 49% de, de duels gagnés, 51% pour, pour Lens. Euh, Rémi, j'aimerais t'entendre sur, sur, sur ça. Euh, on est tous d'accord, donc très bonne première période jusqu'au jusqu but. Mais. Est-ce qu'on peut défendre 90 minutes ou face à cette équipe du PSG bah, Je dirais plutôt non. oui parce que... <laughs> en fait, le truc, c'est que le Paris Saint-Germain en, en première mi-temps, il a plutôt souffert parce qu'on voit que c'est encore une équipe qui se, qui se cherche. Hein. Je veux dire, c'est la première fois d'ailleurs qu'il y avait la doublette Mbappé dembélé qui était, qui était titulaire. Et je veux dire, Lens avait plutôt la possession du ballon et les Parisiens, ils ont plutôt joué en contre-attaque. La différence entre Lens et le Paris Saint-Germain, c'est que Lens n'arrivait pas à, avait une bonne possession, arrivait à bien remonter le ballon, une bonne possession, mais dès qu'on arrivait, et vraiment dans l'avant-dernier geste, c'est-à-dire dans la surface, les centres, il n'y avait personne pour les récupérer. Donc on ne parle même pas des tirs, c'est même avant. Donc c'est ça qui est, qui est assez, assez compliqué parce que le Paris Saint-Germain, bah voilà, ils ont une occasion avant la mi-temps, bah Asensio, il ne se fait pas prier, hop, et c'est là la différence, je pense, entre les deux équipes. C'est qu'il n'avait pas besoin d'autant d'occasions pour aller. Et puis, puis, marque au, pire, au, au moment le plus compliqué. Tu reviens à 0-0 à la mi-temps. Tu as peut-être moyen d'être dans une autre dynamique. Et là, en fait, euh, Pardon. tu te retrouves. <laughs> ah, <laughs> J'ai pris froid, putain. <laughs> ça, tu, sais à que que tu, de... tu sais que tu peux couper ton micro sur l'écran. <laughs> C'est non. non, tu sais que tu peux monter. Tu sais, tu, tu montes, tu coupes et oh, tu regarde, actives. Les gars, hop, hop. Les gars, foutre plus. Tu Il y en a rien à foutre. Tu ne m'entends plus. Tu m'entends. Tu ne m'entends plus. Mais après, 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 après tu sais, tu sais, tu sais, tu peux te prendre un petit carton rouge, mon Steph. Hein. Oui. Ouais, c'est pas, pas l'abri. Hein. Ah tiens, c'est pas l'abri. C'est deux de minutes d'expression. Ai pour moi que Oui, c'est vrai, c'est vrai, J'ai quelque chose à dire. Et je m'en fous, mais je vais le dire. Vas-y, mais prépare-toi. Assume, assume le carton rouge, s'il tombe, hein. assume. Prépare, Amaury, prépare-toi. Prépare-toi, J'ai le match à la télé. Il y a un oui, truc est qui m'a rendu dingue. Parce que pour faire un bon match de football, il faut deux équipes. Et les commentateurs de Canal+, ils oh. font 30 minutes d'analyse sur qui Kiki Mbappé, le public, les machins, que tout le monde s'en bat les cacahuètes. Et il n'y a pas une seule fois après ce match, une analyse de ce qu'a proposé Lens. Ah, et je ouais. le répète que pour faire un bon match de football, parce que Paris a été pas mal, mais on va arrêter de s'enflammer parce que contre Lorient, ils avaient une équipe, que je le répète, qui avait fait le bus. Et ils n'ont pas touché une parce que Lorient était venu, Lorient était venu pour pourrir. Pourrir le, la rencontre. Lens n'a pas pourri la rencontre. Et je trouve qu'il faut arrêter ces journalistes nationaux écoute de chaque France fois avoir Nord. une analyse que pour Paris. Non, mais ça, ça me Non, mais. Non, mais. Bleu Stéphane, Stéphane, Stéphane tu ça a été tout le temps mais... hein. Ça m'a énervé. Mais les, gars, les parce gars. Parce que je me dis, mais les mecs, ils s'en foutent, ils n'ont pas de respect, quoi. C'est tout, tout le temps, mais c'est tout le temps. C'est tout le temps comme ça. Tout le temps comme ça. Tout le temps. C'est insupportable. C'est insupportable. Tu mets Paris et l'OM en Match comme ça sur Canal en Prime ou je ne sais quoi, et eh bah ben c'est toujours euh, du pro alors, marseillais, du pro parisien euh, à la larrigo Rémi, tu peux 30 même secondes. On a parlé analyse ah, dans le jeu de Franck Hayes et ce que les Lensois ont proposé. Pas une, une seule fois, ils sont venus dire ils nous ont mis en difficulté. Allez, ah, c'est pas clair. le sujet et, là, on déborde. 30 secondes, vas-y. J'ai assisté justement à la conf de presse d'après-match où il y avait euh, Guy Lavogui qui était interrogé. Quasiment 80% des questions c'était sur Mbappé et on lui a ouais. posé une question alors que lui il était même pas là la saison dernière, donc c'est à dire que les gens étaient vachement renseignés sur. Un... Sur le joueur qui parlait, on lui demande une comparaison entre le PSG de l'année dernière et celui de cette année. Ouais. Je veux dire, le match l'année dernière, il a vu à la télé, cette année, il était sur le terrain, c'est pas du tout. C'est irrespectueux, chose. Et, irrespectueux. Et, et, mais et même vis-à-vis et même -vis des joueurs du Paris Saint-Germain, il y en a certains qui posaient des questions, 12 questions sur Mbappé, Azaïre Emery, enfin, je veux dire, faut arrêter, le, le, le gamin, il a 17 ans, il a autre chose que de. T'aurais de... dû mettre ça en tête le par derrière, Stéphane, tu vois Ouais. Hein mais c'est pas grave. Ouais, si tu veux, moi je te sors 10 tacles par émission. Hein. Non, 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 non. Ça va aller. J ai, j ai ça, va aller. ça va aller, mon bien poulet. Bien. Tiens, euh, regardez euh, ce petit commentaire euh, d'un supporter là sur, euh, sur Facebook. On y va, c'est Jonathan. Il nous dit, relativisons un petit peu. Euh, Paris est bien plus fort en transition que, que les saisons précédentes. Beaucoup de justesse technique au milieu. Idéal pour mettre à mal notre pressing haut. Euh, forcément, tu te retrouves en un contre un face à des Mbappé, Dembele et tout le tout-team. Beaucoup se, se feront étrier cette saison face à cette équipe. On a perdu des joueurs clés. Et il faut que cela se fasse. On y verra plus clair après Monaco et Metz. Quand même... oui. Moi j'aime beaucoup ce, beaucoup ce... ce commentaire. Euh... Ouais, ouais. Franck Franck. Franck Quedru. Ah oui. Très bonne analyse. C'est exactement ça. C'est ce que je dis. On est tombé sur une bonne équipe de Paris. Après nous, on a perdu deux, deux joueurs qui, bah, qui étaient euh, cadres l'année dernière, euh, Frankowski et, et Samed. Et pour moi, bah... C'est ce que je dis. Je n'ai pas voulu mettre tous les remplaçants dans le lot parce que Guy Lavogui, quand il est rentré, il a fait le taf, il a couru, il a défendu, il a, il a marqué. Mais euh, voilà, un peu déçu de, de rentrer. Mais on, revien, on y reviendra. On Mais y reviendra, trouve, comme tu moi dis. Moi, je trouve que les Lançois, les Lensois ont fait preuve de, de courage hein, avec le staff. De te dire, euh, allez, on va à Paris. Comme d'hab, on va, on va, on va évoluer comme d'hab, avec notre philosophie, avec nos croyances. Sachant qu'en face, t'as la première Dembappé sur la pelouse du parc et à Dembélé de l'autre côté du terrain et qu'en effet, euh, bah pour une fois, le 4-3-3 de Luis Enrique, euh, il semble euh, commencer à trouver ses repères. Ah c'était, c'était Ouais, devant C'était hyper courageux C'était hyper courageux Et puis d'ailleurs, sur le premier but, tu te, fais... tu te fais percer parce que tu loupes ton premier pressing, il a un premier décalage et après c'est mort parce que les mecs en face, ça va à une vitesse et c'est d'une précision ah non, mais après aussi très très courageux très courageux. Après Sylvain, tu as raison, mais je trouve, mais c'est personnel, que dans le milieu de terrain, bon, Arte, lui, euh, c'est vraiment un mec Uguarte. qui met des pains, ouais. qui, qui, qui se bagarre comme un. Et je ils ont besoin que... d'un mec comme ça. Ouais. Là, a manqué un peu de, j'aime pas ce mot-là, mais d'agression footballistique de positive de mettre, ple... de mettre des pains. Oh, je pense je que si. Ouais, il fallait euh... mettre un peu de taquet dans la tronche en deuxième mi-temps et tu les as laissés un petit peu trop faire. Je pense qu'il fallait le bouger au Quartier. Il fallait lui mettre deux, trois tampons. Et un à un moment, trop le mec respecté. était le roi de terrain. Je pense. Hein. respecter. Ouais. Trop de respect. Euh, autre, autre commentaire. Rémi, j'aimerais t'entendre sur ce commentaire. Euh, on est au Bayon, il est rapide celui-là. Voilà. <laughs> oh, le début, il est monté là. On est sur la <laughs> euh, L'entrée en jeu Beaucoup trop tardive de Waii. Euh, alors lui c'est est son petit coup de gueule voilà, Qu'on plombe à 2-0 Spiring qui enchaîne les matchs Tout comme le cardinal et Guilavogui euh, En étant inutile Le fait de maintenir que Sotoka n'est pas un attaquant Et ne doit pas être euh, mis en pointe Alors justement tiens ouais. L'entrée tardive de Wai C'est un tacle par derrière ce soir Et ah c'est oui. un tacle par derrière de qui de monsieur Stéphane Powell's Jingle. Alors, tu le part derrière donc de Stéphane Powell sur euh, une question. Pourquoi Hawaii n'a pas commencé C'est la question que tu te poses et tu n'as pas la réponse. Alors, non, moi je veux bien, j'ai grand respect du coach, euh, et il sait ce qu'il fait, il vient certainement d'une préparation compliquée, je veux bien l'entendre, mais... Quand il vient te dire, je pensais le tenir le 0-0 quand j'allais le faire rentrer, c'est un petit peu comme jouer au loto et que tu n'as pas les bons numéros. Ça veut dire que tu vas à Paris, tu risques quand même plus d'en prendre un que de ne pas en prendre. Et donc, euh, attendre aussi longtemps. Je ne dis pas que j'ai raison, mais moi, personnellement, j'aurais préféré le voir débuter, quitte à le sortir à l'heure de jeu, parce que je pense que... Tout ton jeu est différent quand tu as une pointe dans cette équipe-là. Moi, j'adore ce tocard, mais pas dans ce rôle-là. Et donc, moi, je trouve que sur ce coup-là, ou alors, ou alors, le staff médical a vraiment dit au coach, il y a un risque. Mais s'il y a vraiment un risque, alors il ne joue pas du tout. Si c'est pour le voir rentrer 25... 000, combien de temps il a joué euh... Bah, il est rentré à la à quoi à la 58e. c'est ouais. ouais, si pour le voir jouer 30 minutes et d'ailleurs il est très bien rentré, Sylvain a raison. Enfin, on est tous unanimes sur cela. J'aurais préféré le voir commencer. Je trouve que sur ce coup-là, ou alors il y a un dossier médical et on a peur qu'il se pète. Et alors je mets marche arrière, mais j'y crois pas. Je pense que y a eu, on a fait de la protection, de peur qu'il se blesse. Moi je l'aurais fait commencer contre Paris Saint-Germain. Le gamin aurait été motivé. Si ça n'allait pas, tu le sortais à la mi-temps. Voilà, c'est mon point de vue. Moi, je pense, euh, mais, mais c'est une bonne question parce que moi, euh, je suis tout à fait comme toi. Je pense exactement comme toi. Je pense pourquoi, euh, je me pose la même question, pourquoi il n'a pas démarré Effectivement, même s'il est en cours de, de conditions, bah, tu le fais démarrer, tu le sauras à la 50e. Ah, mais au moins, avoir, le quoi. mec, en plus, et en plus, attends, tu joues au parc, c'est PSG, t'as Mbappé et toi en pas face, t'as envie de briller. Sa, ben sa maman ouais. est là, le mec qui va, ouais, va, le mec, il va courir comme un lapin. Non, c'est sûr, mais c'est tout con. C'est juste parce qu'il n'a pas fait une belle prépa avec une bonne prépa physique avec Montpellier. Donc, ouais, euh, mais 50 minutes. Ont Franck, ont hein. Ils ont. Ouais, mais ils ont préféré ne pas prendre de risques, euh, garder la même équipe qui avait fait un, quelque chose de bien contre Rennes. Et puis après, voilà. De... Parce que Rémi, toi, le voir, les changements, c'est tout. Rémi, moi, je pense que ça. Franchement, je pense que la défense centrale de Paris, moi, je pense qu'elle manque, manque, un peu de vitesse. Je, je pense. Hein, et on le verra certainement en Champions League. Moi, je pense que Waï, on l'a vu aurait posé problème. Et, et si tu marques les premiers, et ça je suis convaincu, et je le dis à Sylvain dans la journée, si tu marques à Paris les premiers, ce qui est tout à fait possible en première mi-temps, hein, si tu as de la place, hein, si tu en mets un, ce plus le même match. Hein, et ton PSG... C'est fini hein, de dérouler comme ils ont fait. Hein. Parce que Lens, après, on parle de mental. Moi, j'aurais commencé avec lui pour, pour espérer mener au score. Et pas comme dit Franck de dire, ben, euh, euh, moi, je pensais aller au 0-0 et le faire rentrer. Mais ça, c'est jouer au loto. Mais, mais je ne critique pas Franck c'est juste ma réflexion. Euh, Rémi, j'aimerais ai, t'entendre sur ce tacle par derrière de, de Stéphane. Et ensuite, deuxième tacle par derrière, ça sera celui de, de Franck quedru bah, J'entends ça, je après, peut-être un avis un peu différent. Euh, moi, je me dis, euh, finalement, ils ont toutes les informations. Aujourd'hui, on a les datas euh, à l'entraînement, de voir où en sont les joueurs d'un point de vue physique, etc. Je me dis que s'il si le euh, fait jouer euh, 30 minutes, c'est qu'il a sûrement des raisons avec le staff médical. Oh non, staff non, mais moi, physique. les datas, arrête avec ça. Ouais, ouais, mais, oui, mais c'est une réalité. C'est qu'à un moment donné, il n'a il a, il a, il a, il a pas fait une préparation normale avec Montpellier. Il a joué, je crois, que 13 minutes. Euh, avec mon pays depuis le début de saison, obligatoirement, il n'arrive pas à Lens avec une fraîcheur exceptionnelle. Et, et dans l'autre sens, il avait fait un... Et match. tu l'as engagé par data et tu penses qu'il est bien rentré euh, bah, bah, hum. Ça n'a pas été une entrée exceptionnelle, ça, mais après ça, ça sent autre chose. Mais d'un point de vue physique... La si data Wai, euh... Mais si, vous voyez, avait été aligné d'entrée et qu'on l'avait trouvé totalement émoussé, on aurait dit l'inverse, on aurait dit, mais pourquoi Franckès va mettre un joueur qui n'est pas du tout prêt euh, et, et donc, dans l'autre sens, on aurait pu aussi avoir les mêmes critiques. C'est sûr que quand on perd obligatoirement, bah, on aura toujours. À... Ouais, non, mais tu perds. Non, non, as tu as raison, Laurent. Je veux bien l'entendre. Et c'est 50-50. Laurent Buzine, Laurent Buzine. Non, non. Merci, Laurent. Non, non. <laughs> Commencez oui, pas me casser les burnes. Tu débutes un nombre de conneries à la minute, c'est impressionnant. C'est 0-1. C'est 0-1. À la mi-temps. Donc, ça veut, oui. dire, bah, oui, donc ça veut dire. Oui, jean Ça veut dire. C'est pas 0, c'est pas 3-0, c'est 1-0, c'est pas 3-0. Pas... Ça veut dire que on n'en parlerait pas si c'était 3-0 à la mi-temps. On n'en parlerait pas. On te dirait, ben bah non, euh, voilà. Là, on en parle parce que tu dis, merde, si le Hawaii avait joué, peut-être qu'on aurait pu ouais. poser problème. C'est vrai qu'après, c'est toujours facile de, de refaire le match, euh, d'être dans l'analyse, puisque c'est vrai que quand tu regardes le match, tu te dis, tiens, c'est vrai que si t'as Waï sur le début de match. Euh... Il y a forcément un ballon dans la profondeur qui va trouver preneur, mais voilà, c'est facile après match. C'est un choix qui se défend, en effet, qui s'entend, parce que Waï il a participé à l'Euro-espoir, euh, pour rappeler les, les, les quelques faits, et donc il est revenu un peu plus tard pour sa préparation avec Montpellier, et il n'a joué que, que 13 minutes lors de la première journée. La deuxième journée, il est en instance de départ à Lens, donc il n'a pas joué, euh, et voilà, donc ça ça, ça ça vient très très vite. donc ouais, puis euh... la question des à Lens, jours, est, hein, et, et à Lens et West Ham. Il y a la question des blessures aussi, c'est de se dire que si tu lances peut-être le joueur aussi euh, trop rapidement, euh, il n'est peut-être pas non plus prêt physiquement, il y a peut-être des risques de blessures musculaires aussi plus importants. Donc après, c'est sûr que c'est hyper frustrant, hein. tu as, as, as un joyau sous tes yeux que tu as payé 35 millions d'euros la semaine dernière, c'est comme 30. quand tu achètes... Le ouais, fin, fin, ça ouais, plus c'est bonus, ouais, plus bah, bonus. bonus. 30, Mais... Sur le contrat, c'est 30 quand, quand C'est comme quand t'achètes le dernier téléphone, t'as envie de l'utiliser tout de suite parce que c'est la dernière technologie et tout. Bah là, c'est pareil avec on, on mais non, mais tu l'utilises pas beaucoup parce qu'il n'y a pas de batterie Faut que tu charges d'abord. Et t'as envie d'utiliser, mais là, c'est voilà, et, euh... et là, c'est <laughs> pareil. Il a faut laisser le la parce qu'il n'y avait pas de batterie. Et, et pour qu'il soit bon très longtemps, il faut bien faire attention à bien le recharger à 100% dès le début. Et allez, voilà, allez, ça allez, eh, eh, c'est bon avec vos blagues à deux balles, là. Euh, Nathan, qu'est-ce qu'il que mettait? La métaphore. Stéphane, deux on secondes, deux secondes. Les... On file la métaphore. On file la métaphore. Les commentaires, s'il te plaît, vas-y, euh, on file un petit peu voir les supporters. Ils ont des choses beaucoup plus intéressantes que vous, euh, à dire. Genre, euh, Jean, Jean-Pierre. Ah on pas une seconde. on se barre si tu veux, hein. On, on y va, si on veux, y veux. va. On va ah, euh... tout seul, hein. Attention, je vais te mettre un carton, toi. Euh, Tony. C'est pour il a ça. T-shirt rouge. Ouais, ouais. Bah, je, pense, je pense que ça va tomber avant la fin de l'émission, c'est sûr. C'est pour ça. C'est pour le sera titulaire à Monaco et Sotoka reprendra sa place pour la première victoire. Euh, et bon, on l'espère. On, on, on croise les doigts. Inch'Allah, comme on dit. Et puis un dernier petit commentaire sur euh, la non titularisation de Whyi Pierre sur Facebook. Fallait blinder la défense avec Aïdara et jouer en contre contre Paris avec. Openda. Ah oui, mais Openda n'est plus là. Euh, tacle mmh. par-derrière maintenant de M. Franck Quedru, après avoir taclé par-derrière euh, la non-titularisation ah. de Hawaii Qu'est-ce qu'il va nous donner comme... Qu'est-ce qu'il va faire comme tacle par-derrière euh, notre petit euh, Franck Quedru Vas-y, mon Francky. Non, parce ah, que, tu que tu crois que tu vas avoir... Ah, il n'y pas le jingle, Ah, non, mais... Moi, ah, d'accord. Ah, Non, mais euh, bah, bah, là... non, mais non. <laughs> non. Attends, attends. On, on va te mettre ton jingle. Ah, Mori, jingle, s'il te plaît, ce qui va les faire le jingle. c'est pour les vieux... Voilà, tu l'as eu, ton ce week-end. Eh ouais. Et Stéphane aussi. Eh bon ouais. anniversaire à vous deux, mes amis. Ouais, Allez, Franck. Ouais. Tac le part bah derrière, écoute, tu, tu le euh, Moi, je suis... Euh, le tacle par derrière va être pour Spirin. Il zou, avait une chance zou, énorme. Zou, zou. Tu vois, je suis déçu, je suis vraiment déçu, parce que... En fait, il avait une chance énorme de rentrer. Et il n'a pas su la saisir, quoi. Il n'y a, a rien eu, je veux dire. Il n'y a pas eu de passe vers l'avant, il, pas, il a pas cassé de ligne, il il, c'était latéral. Je je sais pas, c'était même dans, tu vois, on parlait d'impact, de, tu vois, de mettre un peu de taquet, tout ça. Putain, il a un gabarit, il s'en sert pas, quoi. Je veux dire, tu vois, c'est un beau, un beau bébé. Eh ben non. Donc ouais, je suis un peu déçu. Donc euh, ouais. bon, j'espère qu'il me, il me fera mentir pour les prochains matchs en cas de rentrée, mais pour l'instant, euh, moi si je le vois comme ça. Euh... Et tu sais, Franck je pense pas que je sois tout seul. Tu sais, Franck, c'est mmh. marrant ce que tu dis parce que euh, Spierig, moi, j'ai beaucoup suivi avec Toulouse. parce que tu sais, mon ami Cheikh Philippe Montagnier, donc mmh. c'est un joueur que je regardais. Et en fait, c'est un peu ce que tu dis, c'est que c'est un mec sérieux, c'est un mec de club, c'est propre, mais il n'y a jamais d'étincelle. C'est-à-dire que c'est un bon joueur, mais c'est pas un très bon. Ça peut être même parfois un moyen. Et donc, tu l'as pris. On parlait tout à l'heure du leadership. Attends pas de lui qu'à un moment comme ah non, tu dis très justement, non. qui fait des passes, qui casse les lignes, qui ba... il ne te fera pas. C'est un mec qui est propre. Et donc c'est une... un recrutement d'un joueur moyen dans un groupe. Mais si on attend de lui, qui tire, qui est dans le 11 de base, et qui tire... L'équipe de Lens, moi je mets un gros point d'interrogation. Je suis un peu comme toi, je... et je pense que tu vas encore être déçu quelquefois. Après, quand l'équipe, quand le collectif, parce que pourquoi ça marchait bien à Toulouse Parce que Philippe Montagnier avait créé un collectif où l'équipe jouait, hein, comme c'est le recrutement data, ça se passait, mais, je... mais c'est pas spearing, c'est arrivé une ou deux fois, qui à un moment tu dis, oh là là, le mec putain, il a éclaboussé et il a tué le match. T'attends pas ça de lui Les miracles, c'est à Lourdes, pas à Lens. Non mais euh, personne n'attendait moi... ça de lui, euh, Steph. Ah. On, 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 non, on, connaît, on connaît en très envie. bien. Bah, on connaît très mettre... bien. Non mais de plus, bien évidemment. Mais on, on savait très bien que ce n'était pas, pas shop tous shop en league. même temps. On savait très bien que ce n'était pas un fana Non mais tu ouais, arrives dans un club qui va jouer à la Champions League, tu n'es pas titulaire. On donne la chance et l'opportunité avec... Alors je ne sais pas si c'est une blessure ou quoi de ça. M'aide Merde, on te donne la possibilité, essaye de, de montrer quelque chose, même si techniquement t'es un peu moins bien que t'es... Je pense qu'il est sur la pointe des pieds, là, il est un peu timide. Ah ouais, ouais. il y avait une timidité énorme. Et du coup, énorme, hein et du coup ouais. euh, tu vois, et bah, il, il la... faut qu'il se lâche. Il n'y a rien à, à qui y match, aille. Ouais. En plus, c'est un mec euh... qui peut y aller. Il peut se... Si Globalement, les entrants, hormis Guy Lavogui, qui je trouve avait plutôt une entrée cohérente, le, le reste, franchement, c'était euh, catastrophique pour moi, vraiment. Euh, Spirings, euh, franchement, j'ai du mal à le voir, même. Euh, il me fait un peu penser à Patrick Berg, en fait. En fait euh, C'est-à-dire que c'est peut-être un bon joueur, mais qui n'est peut-être pas fait pour Lens, donc j'ai peut-être un doute là-dessus, peut-être dans le dispositif actuel. De, voilà, donc, bah, à voir. C'est ce que dit Benoît. Spirings est bon dans un milieu à 3 comme à Toulouse, dans un milieu à 2, il est perdu. Ça, c'est bah, une un bonne peu remarque hein, de, de Benoît voilà c'est pour ça à voir si ça, ça va vraiment matcher sur le long terme après euh, il enfin, faut peut-être ouvrir le dossier bon, il a aussi, des qualités de... attention il a des qualités oui il a des qualités je ne remets pas en cause les qualités la cellule l'aurait pas pris mais voilà il faut qu'il se lâche et qu'il les montre ses qualités je ne remets pas en cause les qualités après la cellule à la lance elle est très performante mais il y a toujours eu des trous dans la raquette comme dans tous les clubs hein, je veux dire euh... Vu que ça, l'année dernière, il voilà, y a des erreurs. Il hein. y a toujours un ou deux joueurs dans un casting qui ne normal pas. Et, et ça fait partie du, du job. Il faut juste espérer qu'il y en ait le moins possible. Et que, et que voilà. Après, euh, bah, dans les autres joueurs, euh, l'entrée de Julien et le Cardinal, waouh wow. après, euh, après, tu, euh, tu là, vois, moi justement, je n'en ai pas parlé de Julien et le Cardinal. C'est très compliqué Parce que, quand bah, même. Tu rentres dans un match bon, à la mi-temps, il euh, y a du rythme. Tu joues contre Mbappé, tu joues contre Asensio, tu joues. Tu vois, c'est dur de rentrer dans un match comme ça. Pas vois. facile. Ça ouais. peut être compliqué. Ouais. Donc ah mais bordel, euh... t'es à Lens, quoi. Enfin, je oui, veux mais, dire, ouais, mais es là. Avec non, Metz, si. Euh... si tu joues le maintien mais... avec Metz, je suis d'accord. Mais là, t'es quand même à Lens. On attend quand ben même les autres, d'être quand même performant. Là, je suis désolé. Pour l'instant, il n'arrive pas à élever son niveau de jeu au niveau d'un club top performant de la Ligue 1. Et il faut être clair aujourd'hui, cest dire que la marche, elle semble quand même trop haute pour lui. Non mais les gars, tu l'as dit très justement, de temps en temps il y a un trou dans le filet ou dans la raquette. Le voisin du nord, il fait rentrer deux gamins, les deux gamins on les sort à la 42e minute parce qu'ils sont à la ramasse. Mais c'est dans tous les clubs. C'est-à-dire que Franck il a raison aussi, il faut être parfois un peu indulgent. indulgent. Euh, le cardinal, il rentre dans un match, il y a des flèches à côté de lui, ça va à 10 000 à l'heure. Ouais, mais euh, ouais, c'est à... ah, pas fait... facile, les gars. Ça va faire non, euh... non, mais le, le cardinal, ça va faire bientôt un an qu'il est au club. Euh, c'est vrai. Moment. Au bout d'un moment, si tu dois intégrer la rotation, quand on te propose, euh, quand on du te temps propose la place là, euh, tu vas en fait. Et ah, c'est vrai. vrai hein. Il a, il a, il a mais Moi, je pense qu'il n'y niveau. De... Hein. Moi, je pense qu a pas le niveau pour un club comme Lens. Mais c'est mon point de vue. C'est mon point de vue. En fait, le truc par rapport à le cardinal, c'est que. À l'époque, quand on allait chercher une doublure par rapport à la blessure de Jimmy Cabot, pourquoi pas Mais en fait, le club est monté, je veux dire, a, a franchi des caps tellement rapidement que des joueurs comme ouais. le Cardinal et peut-être même des Poreba. Quand, quand je dis le Cardinal, il franchit pas la marche, ça ne veut pas dire que c'est un mauvais joueur ou une chef. Non, mais, mais c'est trop haut pour lui. c'est peut-être trop haut trop pour lui. lui. C'est des joueurs qui peuvent être peut-être très performants dans des clubs comme Brest, Metz, Clermont, etc. Mais pour un Lens où il y a une exigence aujourd'hui, bah quand tu rentres à la mi-temps au Parc des Princes, peut-être que c'est assez... un peu compliqué. Et, et, et c'est vrai que là, c'est un peu la réflexion. Bon, on en parlera et sur je, la fin de et du je pense, le Et je pense, avec beaucoup de respect de la cellule du recrutement de Lens qui travaille très bien, j'ai un peu peur pour Spirings aussi que le palier, le palier que doit jouer Lens maintenant avec les exigences de la Champions League et, de la, et du championnat, je me demande si ça ne va pas être un petit peu trop haut pour lui pour Lance. Pour clôturer, pour pour clôturer euh, ce le par derrière de M. Franck Quedru sur Spirings, Anthony sur Facebook, le cardinal. Euh, non, c'est pas le niveau Ligue 1. Euh, faut être réaliste. Même s'il se fait manger, il ne courait pas pour essayer, etc. Manque d'envie euh, et tout le team euh, Tiens, euh, petit commentaire d'un un supporter. en y va C'est parti. Alors, c'était où sur Facebook Qu'est-ce qu'il nous dit ah, bah, Celui-là aussi, il est rapide, disons alors euh, marie-marie-ève arnaud euh, il manque un leader dans cette équipe. un Seco Fofana, est-ce une erreur d'avoir donné le brassard à samba? Je sais que certains euh, entraîneurs tiennent absolument à avoir un capitaine qui soit un joueur de champ, euh, car un gardien n'a pas la même présence sur le terrain. Je pense aussi que Lens aurait dû recruter un ou deux joueurs d'expérience, des mecs qui ont déjà disputé des Coupes d'Europe, des trentenaires aguerris. Euh, j'aimerais, euh, ça c'est une belle passe décisive de notre euh, Marie-Ève Arnaud, j'aimerais qu'on qu rebondisse sur le sujet euh, du manque euh, d'un patron, du, 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 du manque d'une grande gueule sur le, sur le terrain. Euh, Rémi Ouais, bah moi j'en avais fait le constat très 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 vite en hein, fin juillet quand quand c'est cofofan à part. On se dit que en termes de recrutement, si on part, bon on, on, on parlait un peu des difficultés sur certains joueurs, mais en réalité euh, réussir à faire venir Eliwawi et Andy c'est pour moi de superbes recrutements ouais. euh, je veux dire très jeunes joueurs c'est des investissements importants mais je pense que le club peut les rentabiliser à long terme et c'est des joueurs qui vont beaucoup apporter à Lens là où il y a quelque chose qui est compliqué par rapport à Andy Diouf, mais le joueur il y peut rien il a 20 piches, c'est sa deuxième saison en professionnel et il succède à un joueur comme Seko Fofana il lui succède, je pense, très bien dans le jeu, mais il va encore se perfectionner et apporter plus, peut-être même d'un point de vue offensif. Mais bien évidemment, il ne peut pas être le leader de, de cette équipe, le, le patron qui était Fofana, qui est arrivé à Lens avec une mission bien précise, ultra ambitieuse, où il parlait déjà de Ligue des Champions quand Lens remontait de Ligue 2 et qu'il arrivait à Lens dans ce projet-là, où tout le monde le prenait pour un fou. Et il est arrivé avec cette mission-là, il a été incroyable pour porter cette équipe. Et il manque un peu aujourd'hui ce joueur-là, ce joueur, joueur d'expérience. Qui est capable, dans les moments durs, d'aller ouais. secouer ces joueurs-là. Parce que les joueurs talentueux, tu les as. Je pense que la majorité du recrutement, il est plutôt bon. Et, et, comme et les prochains ouais. jours le seront aussi. Je pense aussi qu'il y aura des bonnes choses. Mais voilà, c'est la complication sur l'instant. Non, mais près, ça, hein. un, 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 un aboyeur dans le milieu de terrain, un mec qui a de l'expérience, il n'y en a pas 36 000. Ça coûte. Par exemple, moi, j'adore Matich Je trouve que Rennes, d'avoir été chercher ce ouais. joueur plein d'expérience, ouais, va, va rendre super. des services. C'est ce genre de joueur-là que j'aurais aimé. Moi, quand j'ai vu Matic, qui est un joueur que j'ai toujours aimé, je l'aurais oh, vu, euh, même tu à son pas. âge, sur, à Lens. Salaire, mais non, voilà, c'est ça. J'aurais aimé le salaire. voir à Lens. Ah parce que tu t'imagines, Matic, dans le milieu de terrain, il t'aurait démoli des tout le bas. Mais, mais t'as pas les sous. As pas les sous mais, mais pour moi, il y a des éléments qui devraient. Alors, peut-être que ce n'est pas, pas naturel et tu ne peux, peux pas changer. Mais euh, moi, il y a, y, a, y a des joueurs qui doivent. Euh prendre un peu plus de leadership sur le terrain et peut-être même dans le vestiaire. Je pense que Medina a ce potentiel-là. Bah, laisse-moi développer. Je peux terminer ma mais phrase. Qui qui mais qui Qui Mais laisse-moi terminer. Ah, Medina, tu, tu vois, il peut, il peut, encore se encore faire violence parce qu'il a gagné du crédit sur le terrain, même s'il est encore jeune. Il a ce crédit-là désormais. Mais il y a des joueurs. Mais je suis pas sûr qu'ils peuvent le faire. Mais il faut qu'un joueur comme Thomasson, il soit plus leader. Mais il est trop timide. C'est ouais. une question de caractère. Il n'a pas, Quid, il a pas quoi, le caractère. De... Il n'a pas le charisme. Quid de... Il n'a pas le. C'est pas Quid son. Non, non. voilà. Le problème, c'est qu'aujourd'hui sur le terrain. Il n'y a, a pas de joueurs qui peuvent, qui ont la crédibilité pour apporter ça aujourd'hui. Euh... C'est tout des gentils. Ouais, le et, seul et, qui est méchant, et... c'est Medina. Le seul qui peut te mettre des pains dans la gueule, c'est Medina. Bah tiens, le seul regarde. Qui peut... regarde, Steph. Steph. Par... Je, Jonathan qui fait Medina capitaine, il va chiffonner l'arbitre. Ouais, tu vois, par exemple, par exemple, aujourd'hui, hein ouais, aujourd Machado et Frankowski, je me pose une question. Est-ce qu'ils parlent bien le français parce qu'en conférence de presse, quand on les voit, enfin, Franckovski, on ne le voit jamais, mais euh, Machado, je l'ai vu, il parlait il parlait espagnol en, en, en interview avec nos confrères de l'équipe, mais est-ce que ces mecs-là maîtrisent notre langue Parce que ce sont des joueurs, moi je pense à Franckovski, c'est un mec qui a prouvé depuis trois ans, il aurait le statut pour ouvrir sa gueule, mais est-ce qu'il parle non, le français il a ouais, Non, non, pas... non. Ah, non il n'a pas l'envergure, mais il va avec ses épaules Fulgini, tu sais, le le c'est euh... tout des gentils. Le seul qui a un peu de. de, 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 de ouais, Medina, Grady, Grady, mais, mais c'est pas assez. C'est pas assez. Il aura... ouais. Grady, ouais. il l'aurait déjà fait. Sotoka, il l'aurait déjà fait. Mais, mais voilà, Fufana, ça représentait autre chose. Et ça. Et ça, c'est difficile à trouver. Mais les gars, vous n'allez pas vivre toute la saison en pleurant euh, ces cocofana. Ah bah à un moment, il faut non, passer mais... à autre chose. Hein. Non, à un moment il simplement... faut passer à autre chose. Bah non, on est simplement en train de dire qu'il y a un manque de patron. Et j'aimerais, tiens, euh, en, ancien joueur Franck, euh, ce côté manque, manque de grande gueule, manque de... Parce que dans les coups durs, bah voilà, euh, ça fait du bien à un mec qui rameute un peu tout le monde et qui leur dit, allez mec, on va au combat, là. Ouais, mais ça, 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 ça en fait, ça ne s'invente pas. Il faut Exactement. que tu l'aies en toi et... Et forcément, euh, comment tu peux débloquer ça Peut-être en donnant le capitaine à un joueur. Mais là, tu as donné le capitanat. Moi, je sais que je suis, euh, je suis contre un gardien-capitaine. Euh, Parce que le, le capitaine doit être là justement pour aller mmh. calmer l'arbitre, peut-être pour éviter un rouge et un pote. Je vois pas sans base. Sprinter 80 mètres et pour dire non mais pas un rouge, eh, retourne dans ton but, voilà ce qu'il va lui dire. Non mais tu vois ce que je veux dire, c'est pas, il, ouais. est, il va pas être légitime. Mais c'est vrai. Alors il est légitime de par ses performances, par, par, par le statut qu'il qu a pris à Lens. Oui c'est clair. Mais je pense moi qu'il n'a pas besoin du capitana pour parler, diriger comme Exactement. il a fait. Par contre. On l'aurait mis un milieu de terrain à qui voilà tu donnes de l'importance euh, pour justement lui faire franchir un cap au niveau bah, justement statut, patron. Là, je tu pense donnerai... que ça aurait été. Ça aurait été Le seul, c'est ce Sotoka. Exemple. Le seul, c'est penses... Sotoka. Qui... Ouais, mais là, il l'a naturellement. Sotoka. Ouais, mais je pense pas que Florian ce soit. Euh, je sais pas, je suis pas dans le vestiaire. J'ai peut-être une grosse connerie, mais je, je l'imagine pas euh, parler plus que ça dans le vestiaire. Parce ah que, si, je pense il est que c'est un leader. humble. Il Alors. est tellement humble qu'il se voit pas oui. dire aux autres. Faut il faire, faut faire les choses comme ça. Tu vois ce que je veux dire il y a Plusieurs. Non, il y a plusieurs sortes de leadership. En fait, lui, il est, il est sur le terrain. Euh, il montre par les efforts qu'il fait sur le terrain, dans ouais, l'engagement qu'il voilà. met. Ouais. Voilà. Et là, c'est suivez-moi, les gars. Allez, les gars, on ouais. y va. Il n'a mmh. pas besoin de parler sur le terrain. Non, il le... non et il est capable d'aller voir l'arbitre avec intelligence, Franck. Oh, tout à fait, il l'a déjà fait. Et ouais, dans ce je pense qu'il est capable de... Gueule... C'est un mec qui n'est pas une grande gueule, mais qui a du charisme, qui peut parler. Moi, je... Moi je Stokka, en termes de comportement, il a... il a, lui, le charisme pour être, je pense, capitaine je pense ah oui oui alors salir, alors, hey, alors pour vous dire parce que je le connais très bien flo c'est un ami euh, c'est un mec très intelligent le capitana je pense qu'il le mérite à 150% mais c'est pas la grande gueule c'est pas un aboyeur comme tu ouais. disais c'est pas lui c'est c'est pas ça donc si euh, on regroupe un peu tout même, hein. ce que si si on regroupe ouais. un petit peu tout ce que vous dites ça veut dire que le RC Lance, l'équipe de Til et les recruteurs disent OK, on perd Fofana, donc on sait qui on perd. On, on perd un patron. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas pensé à une recrue qui pourrait euh, ben avoir si, ce côté grande pensé, gueule. Mais à qui, mais à si, à si, qui Pas forcément grande gueule. Déjà, il te faut un état d'esprit. Je pense qu'ils recrutent beaucoup aussi à des gens. et ben, bah, il, il est où Il est où Il est où Alors, le mec euh, qui a la grande gueule Non, mais ils se sont dit, ah, ils se sont peut-être dit que peut les, arriver, autres, hein. les autres, les autres. Ils sont être dit que les autres qui sont en place allaient aller prendre un peu plus de place dans le vestiaire parce qu'il a un conseil, il a un conseil ouais. des euh, des je sais pas comment on appelle ça des, des leaders avec les grands euh, sages. Samba, Samba, Danso, Grady et Sotoka. Ce sont les, ce sont eux les, les cadres les, les quatre qui font partie du conseil des sages du vestiaire et qui parfois remontent des infos au coach. Mmh. Mais moi je je vois un commentaire. Allez, pour clôturer, qui dit, Rémi euh, Busine. Discussion un peu stérile par long terrain, ça ne vient pas du Capitana, les résultats. Hein. Alors, je, je suis d'accord que ce n'est pas euh, que ça, mais en, en partie, quand même, je trouve que c'est quand même hyper important la notion de, de vestiaire. Euh, je veux dire, euh, la, la, et on parlait de Seko Fofana, moi je repenserais aussi à Yannick Cahuzac, qui, même s'il n'avait plus l'influence sportive sur le terrain, avait une influence énorme dans le vestiaire. Il n'est plus là aussi aujourd'hui. Il y a Jean-Louis. Oui, il y a Jean-Louis qui est encore là, mais c'est pas forcément, il en faut plusieurs. Et il en faut aussi un au, au cœur du jeu comme pouvait l'être Seco. Et c'est vrai que moi, à un moment donné, je pense qu'en seconde mi-temps, peut-être au-delà de la préparation physique qu'il faut aussi digérer, parce que tu as une préparation physique qui a été très lourde, c'est notre question, mais celle du leadership sur le terrain, elle est quand même très importante. Tu as beaucoup de jeunes joueurs sur le terrain, très prometteurs, des jeunes joueurs. Voilà, je pense qu'on ne s'est pas trompé sur le recrutement là-dessus, mais obligatoirement, ça manque peut-être d'un encadrement. Euh, on avait parlé de certains joueurs à un moment donné, le Denis Zakaria ou Romain Saïs. Ça aurait pu être des joueurs qui auraient pu apporter ce côté-là. Ils sont pas venus. Il y a eu d'autres choix aussi qui, je pense, sont intéressants. Mais voilà, ça, ça doit être mais... aussi sur la fin du, du Mercato euh, de se dire qu'il manque peut-être aussi ce, ce Allez, cet on clôture ce, on, on ce débat, Stéphane. On passe parce que là, on est pris par le temps. Euh, on passe au, au café crème. Jingle, s'il vous plaît. On y va. Allez, le café crème des consultants, on y va. Euh, le café crème, bah, tiens, t'es à l'antenne. Euh, quel est ton café crème, mon poulet, pour, pour ce match PSG Lance Oula. Ah bah il n'a pas de café crème, euh... c'est bien. Alors lui, il a bien bossé. Ah, non, on passe. Non, on euh, passe. Stéphane Powell, quel est ton café crème qu'est-ce Qu que tu appelles café -crème <rire> <rire> Ok, on passe. <laughs> on passe. Si on Sylvain Charley, quel est ton café crème On y va. Bah Eliway. Eli Eli <laughs> J'ai adoré son entrée. Et, et... <laughs> pour sortir ça. <sans>, hein. <laughs> Tu as ah une petite eh, pistoules moi, hey, moi j'ai préparé par un café moi café bossé de mes petites pistoules euh, et, moi du, et ah, ça c'est du café crème hein Eh hey, hey, monsieur l'arbitre carton rouge bah il bah connaît bah pas le règlement dormir, de l'émission peut le sortir Carton rouge s'il vous plaît pour monsieur euh, pour Monsieur euh, Stéphane Powell car, carton rouge deux minutes il va dans parti. le sens du ah poil Nadin moque des babek Voilà carton rouge c'est parti Ouais, C'est pas pas ouais, ouais. Ah, il, il est pas mal. Donc, deux minutes euh, pour. Il a le temps d'aller boire une petite binouse en attendant ouais, voilà, notre euh, ouais. notre Steph. Donc, café crème pour euh, Waï. Franck, est-ce que tu as un petit café crème sur, euh, sur ce match Est-ce que bah, tu as envie qui... de payer un café crème bah, Moi, je pour euh, sa rentrée puis son but, euh, Guy Labougie. Ok alors attendez parce que euh, j'ai reçu un message moi je vous dis tout <laughs> de Stéphane euh, Non 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 j'ai reçu un message sur Whatsapp de Rémi Buzine <laughs> qui est à l'écran Le mec il ouais. me fait il reste combien de temps d'émission chef J'ai 7% de batterie <laughs> <laughs> J'adore euh, les coulisses C'est bon les va... coulisses ah, J'avais pas calculé aussi long là tu vois <laughs> Allez ouais. on va enchaîner On va enchaîner euh, avec... Ah, bah, oh. oui, avec Ah bah oui Avec Flash Mercato ça, Bah excusez nous ouais. Oh c'est pour mon retour en plus merde Allez Jingle Mercato. Elle fait revenir Steph. Hein, ah Moi, je ne prends pas 30 000. <laughs> alors, alors toi, hey, toi, tu parles sur le jingle. <laughs> bah, dès, Au revoir. Depuis quand il y a des jingles À quand je vais ah. parler euh, <laughs> Carton rouge pour M. Frank henri s'il vous plaît. Carton <laughs> rouge. Ta gueule, les connards. On a des mots que des babettes. Et on fait revenir M. Stéphane Powell. Ça tombe très bien, c'est parfait. Jingle. <laughs> non, jingle mais... Mercato. Non, tu es rentré. Tu es rentré, Steph. Elle a coupé son micro. Et bah il a coupé son micro. Et bah c'est bien. Bah, carton rouge, euh, carton rouge direct. Non mais t'as même plus de micro mon poulet. Oh putain mais j'ai rien touché. Si ça y est on t'entend. <laughs> Calme-toi. J'avais calme mon café crème et je peux même pas le dire. C'est qui C'est qui bah, C'était le gardien. Parce que vous oubliez quand même. Que... bah c'est quand même Samba. Vous oubliez quand même que sur Mbappé il fait un arrêt euh, de classe mondiale. Hein et bah Dans voilà, les pieds d'Mbappé. Et bah et. Ah tu mais sais ça quoi, ah, Non bah, mais tu oui, sais quoi, mon Stéphane, il fallait le faire quand je te l'ai demandé. Jingle mercato, voilà, on y va. Ouais. 30 000 Ah moi je prends pas 30 000, ni 40 000, mais ça je prends 300 000. Oh c'est pas vrai. Ouh mais j'ai l'impression qu'on se moque de nous là. Allez Donnez-moi le contrat que j'ai ici. Allez, c'est parti. Euh, les dernières infos Mercato à 5 jours de la fin euh, du Mercato. La première qu'on va, qu va commenter, euh, les copains, c'est celle-ci. Euh, puisque, apparemment, le, le Racing Club de Lens veut s'offrir Bruno Ognemachi. Euh, et Sébastien Denis de, de Foot Mercato euh, nous a donné cette euh, dernière info. Puisque, bah, on est intéressé, mais ça se complique déjà pour l'arrivée de, de Bruno à Lens, le latéral gauche nigérian euh, Tiendrait un accord avec un autre club, la piste menant un piston gauche bien connu de Ligue 1 est creusé actuellement par Grégory Till. Rémi, tu as des news un petit peu sur ça Qu'est-ce que tu en penses de oui, ce bah, joueur Alors je pense qu'il y a pas mal de pistes qui sont données euh, juste pour faire des surenchères d'agents, euh, qui veulent faire parler de joueurs avant la fin du mercato, euh, plus que, les, euh, plus que ouais. la réalité. Non, après il y a un nom qui est sorti aujourd'hui. Hein, euh, c'est fake C'est fake pour toi, ça c'est du fake bah, C'est un peu surcoté. Ok. Que je comprends. Mais après, y a... je crois qu'il est plutôt en contact avec Porto, je crois. C'est plutôt le club. Je crois que c'est plutôt Porto qui est. Qui mais mais c'est vrai qu'il y a certains médias qui relaient, euh, qui relaient toutes les communications d'agents. Des, ouais, des surtout là, c'est les derniers jours, vérifiés, donc ça part un, un peu dans euh... tous les sens. Faut faire mousser un peu la. Bah ouais. De certains joueurs. Non, alors il y a un nom, nom qui est revenu aujourd'hui qui a été. Euh, J'ai euh, mal à mon, à mon en journalisme parfois. Hein. Qui est euh, le nom de Ruben Aguilar, ouais. le latéral de droite de l'AS Monaco. Mais ça, c'est vrai ça. Rien, Ça, oui, c'est une piste. Euh... Passe décisive. Voilà. Ça, c'est une on... piste sérieuse. Et donc, il est international français, c'est vrai qu'on avait oublié, mais il avait été sélectionné en équipe de France ouais, en 2020. Exactement. Et moi, c'est un joueur que j'ai toujours apprécié, qui était très bon du côté de Montpellier, à Monaco, qui a fait des saisons plutôt correctes. Il faut se dire que de toute façon, sur ce poste-là, on ne va pas aller chercher. Euh, parce qu'il y a des, des gens qui disaient eh oui, pourquoi on ne prend pas un, un Luc un Romain Perrault, etc. On ne cherche pas un titulaire en puissance. Je veux dire, aujourd'hui, les titulaires, ce sont Frankowski et Machado. Ce sont eux qui seront titulaires donc on cherche plutôt un joueur qui apporte une concurrence et qui peut aussi doubler les postes. Donc ah, on va voilà. aller chercher plus, un top joueur plus, à 15 millions d'euros. C'est plus logique donc, de recruter du côté droit puisqu'on sait que Frankowski peut jouer à gauche. Exactement. Aussi. Exactement. Donc euh, ouais, il y a la, la piste Ruben Aguilar qui est plutôt intéressante. Après, de ce que je comprenais, je crois que Montpellier a un petit peu les préférences du joueur parce que c'est un ancien joueur de, de Montpellier. Puis que Monaco a peut-être pas forcément envie de vendre un joueur à un concurrent direct. On peut comprendre aussi ça. Mais bon, on va voir. De toute façon, ça va aller très vite. Je, il pense, reste que, plus 4 jours, hein. je pense que Monaco, il s'en battent les cacahuètes à un concurrent direct. C'est une question de pognon. Par contre, je pense que le gars, a deux points. Vu son âge, peut-être qu'il veut retrouver une possibilité avec Montpellier. Par contre, il va quand même jouer la Champions League avec le Racing Club de Lens. Donc, à un mm -hmm. moment, est-ce qu'il a il encore. Il pas, pas avec Lens, logique. Logiquement. Logiquement, il sera remplaçant. Hein. Et tu sais, le football ça va vite. Hein. Mmh, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Ouais, ouais, donc, moi euh, je suis d'accord. Si tu as de l'ambition et que tu as faim, tu viens à Lens. Hein. Tu ne vas pas t'emmerder et... à Montpellier. Hein. Ah, ben bah ça je suis d'accord. Pour avoir une retraite. Gars, a... quoi. Mais le gars il a un salaire monégasque aussi. <laughs> non, mais je. C'est vrai, Non, est vrai. Il est... non <laughs> mais il mais est mais bon, prêt euh... à faire des sacrifices. Il s'est réveillé, Charlie. Et t'as les gars. Ah, tu sais, moi je ne batifole pas. Toi, je ne cours pas dans tous les sens. Efficacité Matic, tu vois, intact, récup, je donne. Oh, on oh, s'attaque, on oh, s'attaque, le bien. Non mais tu vois, je euh... me dis, euh, Aguilar, Aguilar, il gagne bien, il gagne très très bien sa vie, j'imagine à Monaco. Est-ce qu'il est prêt à faire des... des sacrifices financiers pour venir à Lens? Je... Alors apparemment, euh, selon les, les dernières infos, il y a eu une, une offre de Montpellier qui a été faite à Monaco un million et demi qui a été refusée et euh, à Maurice, nous pas, disait tout vrai. à l'heure, je crois c'est ça, je crois que c'est euh, Lens a fait euh, a fait également une offre qui a été, euh, qui a été refusée euh, pour euh, pour ruben Aguilar donc euh, on verra. Alors tiens, euh, je voulais vous, vous, vous dire que jeudi jeudi euh, c'est une soirée y a spéciale. Il qui joue jeudi. J'en ai rien à foutre de Lille. Euh, jeudi. <laughs> Toi tu frôles le rouge Tu vas te prendre encore un rouge mon poulet euh, Jeudi soir on fera une émission spéciale Ligue des champions à 20h soyez là euh, Puisque c'est le jour du tirage euh, de, de la Ligue des champions des poules Et forcément on s'est dit on ne peut pas louper ça Donc jeudi soir soyez, notez le sur vos agendas euh, Les amis 20h on sera là, alors il y aura Rémi Buzine Ça c'est sûr, Sylvain Charlet il m'a dit qu'il n'était pas là Non ne euh, ouais. peut pas y, peux y être est... là jeudi il ou pas y a le Ouais, je commentais l'os ce jeudi soir, bah, Ligue Europa conférence. Tu me dégoûtes avec ta coupe d'Europe bah, de brun, bah c'est bien il bah, bah, dans... ouais. n'y a pas de préférence sur France Va dans ta coupe d'Europe à deux balles et laisse-nous la Ligue des champions <laughs> euh... J'y serai, aussi... euh... eh, serai aussi au stade en Ligue des champions donc euh... Franck, tu peux être là jeudi à 20h <laughs> ou pas et, mec, et tu verras que... je suis sûr qu'il n'y a personne Non, Je ne peux pas il y, y a Grand frais <laughs> non, il y aura, aura Norman, il y aura Norman, il y aura Norman Noisette. J'ai reçu un petit message. Lui, lui, au moins, il dit oui. Voilà. Oh, C'est normal, il n'y a pas de famille, il n'y a rien à foutre. <laughs> donc, donc, il y aura Rémi, il y aura Rémi Buzine, il y aura Norman Noisette. Il y aura peut-être euh, l'efficacité de notre Jean-Guy Wallem. Il sera peut-être là. Euh, et puis, on verra. Peut-être Héloïse. Tiens, je vais, je vais peut-être faire venir ma, ma préférée, Héloïse de Mester. Bon, merci à vous les copains, il est 21h40. Ouais, je pense qu'il va couper là, ma ça va couper bientôt. pas vous pour pas garder de la batterie Allez, merci merci à vous tous, n'oubliez pas de liker, vous avez encore été très très nombreux, plus de 1300 personnes là en live sans compter les replays et les podcasts, vous pouvez nous écouter en audio. Ça va ça va être remis, il y avait quelques petites pannes ces dernières semaines. Ça va être remis sur Apple. Chez Tiroy, il y avait des fans. <laughs> Donc, vous venez. Euh, et puis, on vous souhaite une très très belle soirée. Rendez-vous jeudi pour la l'émission spéciale Ligue des Champions à 20h. Merci de votre fidélité. Prenez soin de vous. Et puis, euh, je vous dis à jeudi. Salut les copains. Ciao, ciao. ciao. Euh, ciao. On y va Allez, salut. Jingle ciao. de fin. Ouais, ouais, jingle de tout. fin. Non, générique de fin. Il connaît rien. Générique de fin générique. Allez, allez, allez vas-y. Ciao. <rire> allez, <laughs> bisous.